Bonjour à tous. Encore un petit live organisé à la dernière minute, enfin, depuis, on va dire depuis ce matin, où on va parler de Docker et de l'extension de leurs tarifs pour la partie Docker Desktop. Donc, depuis hier, en fait, il y a cette news qui circule où. On nous dit que Docker Desktop va rester gratuit seulement pour les petits business, donc seulement ceux qui sont en dessous de 250 salariés et qui font moins de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Et donc ça a commencé à faire beaucoup de bruit, notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion qui s'est faite par rapport à cette news où on voit un peu partout que faut quitter Docker, faut passer à Podman, faut trouver une autre solution. J'ai même vu faut utiliser LXC à la place, etc. Et ça montre, moi je pense que ça montre que tout le monde n'a pas compris c'était quoi le périmètre qui était impacté et c'était quoi la différence entre Docker Desktop et Docker Engine. La plupart des gens en fait. Qui ont discuté de ça, il y en a une bonne partie qui sont sur Linux et qui ne sont pas concernés parce que le Docker Engine sous Linux, il est open source. Donc je vais vous remettre j'ai fait donc du coup un thread récapitulatif sur Twitter qui dit dans quel cas vous êtes concerné et c'est quoi les alternatives qui peuvent exister. J'ai essayé de concentrer ça parce que ayant fait l'acquisition il y a quelque temps d'un Mac M1, en fait, ça fait déjà quelques temps que je cherchais des alternatives pour runner des conteneurs OCI sur Mac par rapport à Docker Desktop, donc j'avais déjà un peu creusé le sujet. Et donc on va voir ensemble ce que ça implique, voilà, tout simplement. Donc ça c'est le thread que je vous ai mis. Donc comme je vous l'ai dit, déjà si vous êtes sur Linux avec Docker CE, vous n'êtes pas concerné, vous êtes en sécurité, il n'y a pas de souci. Si vous êtes sous Windows ou si vous êtes sur Mac, donc c'est un peu la même chose, la partie Docker Desktop est concernée. Donc si vous utilisez un PC corporate dans un grand groupe, une grosse SS2I, etc., potentiellement, vous devez voir avec votre groupe pour payer la licence de 5$ par mois, ce qui n'est pas énorme par rapport aux solutions qui existent. Il existe des alternatives. Notamment pour ceux qui sont sur Windows ou ceux qui sont sur des Mac Intel, notamment utiliser Podman effectivement ou ce genre de choses. Mais toutes les alternatives, j'ai envie d'insister là-dessus, en fait, elles reposent sur des machines virtuelles, tout simplement. Donc, et c'est là que on va voir en fait c'est quoi la valeur ajoutée du produit Docker Desktop. Le produit Docker Desktop, en fait, le gros travail, enfin pour moi le plus gros travail que ça apporte, c'est la partie virtualisation de Linux de manière cachée pour qu'on ait une CLI comme si les conteneurs étaient supportés nativement dans le système d'exploitation, alors que ce n'est pas le cas. Il y a une couche de virtualisation qui est très bien faite. Et pas seulement, ça c'était l'objet d'un live que j'ai fait il y a deux jours, dont je vais vous remettre le lien également. Rapidement là sur le live où je faisais la démonstration qu'en fait avec Docker Desktop sur Mac, qu'on soit sur le modèle Intel ou sur le modèle M1, on avait la possibilité de faire tourner des conteneurs qui ont été buildés sur les différentes architectures de processeurs, donc processeur ARM 32, du Arch 64 ou encore de l'X86, AMD 60 Cred classique. Là, je vous remets la vidéo et puis je vais quand même vous refaire la petite démo rapide pour vous montrer ça. Donc c'était le live où on jouait avec les IPC entre plusieurs conteneurs sur Docker et Kubernetes. À la fin de ce live-là, on avait fait une petite expérience sur le Mac M1 justement, de compiler un programme en C sur un Raspberry Pi et de le compiler également sur un serveur X86. Et de démarrer les deux sur le conteneur M1. Voilà la vidéo. Et on va refaire ça ensemble très rapidement pour vous montrer un peu du coup qu'est-ce que ça apporte vraiment la couche M1. Voilà. Donc là j'ai un Docker Compose
Déjà tout prêt. Qu'on va démarrer ensemble. J'en profite pour le refaire parce que j'ai vu que la dernière fois la vidéo elle tronquait un peu mon terminal, donc j'espère que ça va mieux être visible cette fois-ci. Hop, bien sûr. Et donc là, ce qu'on voit sur le Mac, c'est que j'ai un conteneur x86 et un conteneur ARM qui vont écrire dans de la mémoire partagée avec les IPC sur Linux. Et un conteneur qui va récupérer cette valeur, un autre conteneur qui va récupérer ces valeurs dans la mémoire partagée. Et on voit bien qu'il n'y a aucun problème, les deux versions elles tournent, la version qui a été buildée pour ARM et la version qui a été buildée pour x86. Vous pouvez essayer de renouveler cette expérience avec le même Docker Compose que je vais vous mettre ici. Je vais vous remettre le lien de ça. Dans le live. Et vous verrez que ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. D'ailleurs, j'ai pris des captures d'écran. Ça va être un peu plus rapide pour vous le prouver. Donc là, je renouvelle l'expérience sur un serveur CentOS et on voit bien que les conteneurs ARM ils crashent directement et que le conteneur x86 n'a aucun problème. Et inversement, sur une machine ARM, donc un Raspberry Pi, bah c'est les conteneurs x86 qui crashent. Donc ça c'est un premier exemple de ce que fait vraiment Docker Desktop par rapport au Docker Engine de base, c'est que non seulement il s'occupe pour vous de virtualiser le Linux de manière cachée, mais en plus de ça il vous simule toutes les architectures en se basant sur Rosetta 2. Ça leur a pris un an, presque un an de développement pour arriver à ce niveau de performance sur Docker, sur Macama. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, il faut absolument qu'ils aient un business model viable pour pouvoir continuer de faire des choses comme ça. Et c'est vraiment les seuls à le faire. Et on va voir que quand vous êtes sur Macama, vous n'avez pas vraiment d'autres solutions. Et je vais y revenir. La solution la plus populaire concurrente du moment, c'est Podman. Et Podman, quand vous regardez, d'ailleurs j'ai fait l'expérience dans la journée sur Twitter aussi, donc j'ai des captures d'écran qui vous montrent un peu les différentes tentatives que j'ai fait. Et ben Podman, il vous dit pour démarrer une machine virtuelle, vous avez Podman Machine. Et en fait, ce que ça va vous faire, c'est que ça va vous télécharger un ISO et ça va utiliser VirtualBox pour démarrer la machine en background. Sauf que VirtualBox n'a absolument pas travailler à la compatibilité de leurs images, enfin de leurs produits sur M1. Ça marche pas du tout. Vous avez cette erreur là. J'ai mis aussi le lien de l'issue qui correspond et que ça fait 7 mois qu'elle est ouverte et que ça bosse pas dessus. Vous avez d'autres solutions de virtualisation et on va y revenir. Donc potentiellement vous pourriez utiliser Podman avec d'autres solutions de virtualisation. Et comme je l'ai mis dans le thread au départ, en fait, ces solutions de virtualisation-là, elles sont souvent payantes et bien plus chères que le coût de la licence sur Docker Desktop, qui coûte que 5 $ par mois. Voilà. Et en plus, vous n'êtes pas concerné si vous êtes à votre compte ou si vous êtes une petite structure. Voilà. Donc, je vais voir s'il y a des gens qui réagissent rapidement. Et personne, donc pas de soucis, ça sera rediffusé sur YouTube hein, de toute façon, comme d'habitude. Et là où je voulais en venir, en fait, c'est que du coup, j'ai fait l'expérience également de voir si c'était viable de travailler avec une machine virtuelle, parce que ça aussi, c'est ce que je vois souvent, c'est mettez une machine virtuelle et bosser sur Linux. Donc effectivement, avec une machine virtuelle sur la machine M1, on peut bosser avec Docker. On peut bosser avec Podman. Petit avantage de Podman par rapport à Docker. Donc là, vous voyez qu'il y a Docker qui tourne sur une Ubuntu. Petit avantage de Podman par rapport à Docker, c'est que vous pourrez faire marcher la CLI directement depuis votre terminal Mac en laissant votre machine virtuelle tourner en arrière-plan sans aller dessus. Docker, je pense qu'il y a moyen de jouer, mais ça va être un peu plus lourd avec des tunnels SSH et des choses comme ça. Voilà, potentiellement un tunnel SSH.
Voilà. Et en fait, il y a quand même une grosse contrainte qui est énorme, c'est que, comme vous pouvez le voir, on va réessayer de jouer le même projet. Ça va pas marcher du tout. Là, on n'a ni les images ARM, ni les images x86 qui marchent. Donc c'est quand même très embêtant hein, pour pouvoir travailler sur des images qui sont interopérables, qu'on veut avoir en local, qui marchent aussi sur le cloud. On est un peu bloqué. Et en fait, ce qui va marcher sur cette machine virtuelle, c'est directement des images Arch 64. Pourquoi? Parce que l'architecture de votre virtuelle machine, c'est de l'ARM 64. Et là, quand vous êtes sur votre machine virtuelle Ubuntu, vous bénéficiez pas du tout de la surcouche Rosetta 2 qui permet d'émuler ce qu'il faut pour pouvoir faire tourner du x86, comme quand vous êtes sur macOS, ça c'est pas ouvert. Et donc en fait, vous pouvez absolument pas travailler de manière interopérable avec les mêmes images d'un poste à l'autre qui finissent sur le cloud, etc. Donc vous perdez complètement l'intérêt premier de Docker, si j'ose dire, quand vous travaillez avec Docker en local, c'est pour pouvoir reproduire l'environnement de cloud en local, et là vous en êtes incapable. Donc, pour résumer très concrètement, vu que toutes les autres solutions alternatives à Docker Desktop, elles ont besoin de machines virtuelles sur Linux pour pouvoir tourner, que ce soit même d'autres, un conteneur D, Cryo, j'ai essayé conteneur D avec Lima, ça n'a pas marché, etc. Vous serez toujours dans cette situation. Au mieux, vous serez dans cette situation où vous avez de toute façon un produit payant pour gérer la virtualisation qui vous coûte plus cher, et en plus de ça, vous serez incompatible avec les images. Que vous êtes en train, pour lesquels vous êtes en train de travailler pour les héberger sur du cloud. Voilà. Donc pour conclure là-dessus, et après je vais vous montrer quand même qu'on peut envisager d'autres pistes, mais qui sont pas vraiment. Enfin, on va détourner un petit peu le besoin, c'est-à-dire d'être capable de travailler en local. On va se dire que finalement on peut peut-être se passer de travailler complètement en local. Mais là, en l'état, concrètement, Docker ont très bien joué leur coup. Ils ont visé une population sur laquelle ils ont une niche. C'est-à-dire que c'est vraiment les seuls à avoir fait ce bon travail de rendre complètement interopérables des images qui ont été buildées de partout sur les machines Apple Silicon. Et du coup, je précise que ceux qui ont des Mac Intel ne sont pas vraiment concernés parce que eux, ça va marcher de faire des machines virtuelles en x86, ils vont pouvoir faire du Podman, VirtualBox continue de fonctionner même sur Big Sur, y a pas de problème. Donc ils ont des alternatives, mais tel que ça se profile, les Mac Intel vont bientôt être en voie de disparition, c'est-à-dire que tous les nouveaux modèles qui sortent sont sur des chips Apple Silicon. Le prochain 16 pouces, il sera aussi sur un processeur dérivé du M1, je pense qu'il s'appellera le MX. Le Mac Mini qui est sorti, il est sur M1. Le Mac, je ne sais plus comment il s'appelle, l'iMac, qui est en gros l'équivalent d'un desktop, il est sur M1. Et donc, ça signifie que tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec macOS, bah, ils ont une seule possibilité aujourd'hui de pouvoir faire correctement tourner des conteneurs nativement, enfin pas nativement, mais de manière presque comme si c'était natif, bah, c'est d'utiliser Docker Desktop finalement. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Donc ça me permet de encore une fois répondre à tous ces commentaires qui disent bah, faites des machines virtuelles, passez sur Podman, faites autre chose. Clairement, en fait, faut quitter macOS, enfin, faut quitter l'univers Mac complètement si vous voulez absolument ne pas utiliser Docker Desktop. Là, il n'y a pas d'autre solution. Faut partir. Et si vous êtes vraiment défendeur de l'open source et que ça vous pose problème, il faut partir sur Debian, quoi. Il faut arrêter. Faut plus acheter ses ordis et puis il faut passer à autre chose. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se démocratiser dans le futur. Moi, je trouve que personnellement, je trouve ça passionnant de voir ce qu'on peut faire sur cette machine, parce que voilà, déjà c'est une machine qui est une prouesse technologique, je pense, et même si tout n'est pas ouvert, pour moi à la base elle avait une promesse, c'était de faire marcher, d'être la plus interopérable possible, et aujourd'hui c'est un peu le cas, mais uniquement en dépendant d'un seul acteur qui est Docker Desktop. Voilà, d'un seul produit, et il n'y a pas d'autres produits qui font ça. Après, j'ai envie de dire que bah,
C'est libre à nous de construire des alternatives open source qui font la même chose que Docker Desktop. Hein. S'ils ont réussi à le développer avec Rosetta 2, c'est qu'on est capable de le faire. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ça leur a pris presque un an. Donc c'est pas un travail, c'est pas un travail qui est pas monnayable en fait pour une entreprise comme ça. Donc ça se comprend, hein, leur démarche. Hein. Moi personnellement je la trouve complètement legit. Voilà. Et une autre possibilité, en fait, c'est de complètement travailler sur le cloud. Donc je ne vais pas refaire toutes les démos que fait déjà Philippe Charrière, par exemple, en utilisant du Gitpod et du GitLab pour déployer directement. Donc en fait, il ne travaille plus qu'avec un navigateur, avec un IDE qui s'apparente à Visual Studio Code dans un navigateur, et puis après, dès qu'il push, ça déploie dans l'environnement qu'il veut. Etc. Donc vous avez d'autres alternatives, hein. Je pense qu'il y a GitHub Code Workspace, ça manque pas les plateformes pour pouvoir faire du développement full cloud, et elles sont de plus en plus abouties, et même si c'est pas complètement totalement aussi confortable qu'en local, on s'en approche de plus en plus. Et je voulais un peu troller tout à l'heure en disant qu'il y a une alternative magique qui va fonctionner sur M1, et effectivement c'est d'utiliser Kubernetes à la place de Docker, mais pas en local, hein, du coup, puisque vous serez confronté au même problème. Et pour ça, j'avais découvert il y a quelque temps un produit qui s'appelle Compose.io. Et moi, j'ai fait une surcouche API qui permet de facilement l'utiliser, c'est-à-dire que en fait, vous écrivez vos fichiers Docker Compose File comme d'habitude, et de manière très rapide, vous les déployez sur Kubernetes. Donc là, j'ai un exemple. J'en ai une en plus, elle est hostée, vous pouvez directement l'utiliser, vous n'êtes même pas obligé de tester en créant le conteneur chez vous. Hein. Il y a déjà cette URL-là qui répond pour faire vos tests. Voilà. Et en fait, quand vous hébergez cette API sur votre propre infra, vous pouvez directement lui dire avec ces headers-là, vous lui dites d'exécuter ce manifeste qui va être créé à partir de Docker Compose sur tel namespace. Directement. Et si l'API REST n'est pas hébergée sur la même plateforme que la plateforme dans laquelle vous voulez envoyer vos conteneurs, et ben il suffit de faire un pipe en fait, tout simplement, comme je le fais ici, et c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais quitter cette machine virtuelle et on va aller sur l'autre projet qui s'appelle Compose API. Et je vais exécuter cette commande. D'abord, je vais juste exécuter cette sortie de commande là. Et en fait, on va voir qu'à partir du fichier de Docker Compose, il va me fabriquer un manifeste Kubernetes. Donc, il va comprendre quels sont les conteneurs et les déploiements qu'il faut créer. Donc là, par exemple, c'est le Docker Compose de Compose. Voilà. Et donc vous avez juste une pauvre API qui expose sur le port 8080 et qui prend telle image en version latest. Voilà. Donc après vous voyez ce que ça fait en équivalent Kubernetes. Déjà vous voyez que c'est plus rapide à écrire un Docker Compose pour ça. Et je vais essayer de remontrer parce que je sais que ça rogne un peu sur la vidéo. Voilà, la sortie de cette commande, c'est un YAML pour Kubernetes. Avec un déploiement. Et donc après, il suffit effectivement, je vais créer un namespace. Compose, par exemple. Voilà. Et je vais rejouer cette commande-là en faisant kubectl moins n. Mon nom namespace compose apply-f tiret. Et là, vous allez voir qu'il va me faire created normalement. Ouais, donc il m'a créé mon service, il m'a créé mon déploiement. Et donc on va regarder ce qui va se passer sur Kubernetes. J'ai bien mon pod qui est en cours de création. Ça y est, il est running, donc on va loguer son contenu.
Bon, j'ai pas fait, bien sûr, c'est pas complet parce que ça génère pas un ingress pour l'exposer à l'extérieur, mais en même temps, c'est pas ce que fait votre Docker Compose non plus. Si vous utilisez ce Docker Compose là en prod, vous serez obligé de mettre un reverse proxy devant vous-même manuellement, un Nginx ou autre, avec un Let's Encrypt ou autre pour l'exposer en HTTPS à l'extérieur. Donc c'est bien normal que Kubernetes il fasse pas plus que ce que vous faisiez avec votre Docker Compose. Enfin, Compose avec un K ne fasse pas plus que ce que vous avez écrit dans votre Docker Compose. Mais du coup, oui, on va pouvoir invoquer cette API, je pense. Bon, on va rentrer directement dans le conteneur. Exec-it bash. Je pense qu'il y a bash dedans. Ouais. Et là, je vais pouvoir faire un curl localhost 8080. Et j'ai bien mon API qui répond. Voilà. Si on va un petit peu naviguer sur les différents endpoints, vous avez le health check, les versions de Compose qui sont available. En fait, il y a toujours deux versions qui sont available. La dernière et l'avant-dernière au cas où il y a des breaking changes. La version de kubectl qui est embarquée dans le conteneur aussi parce que quand vous l'invoquez sous cette forme, en fait, il va lui-même à l'intérieur de l'API invoquer kubectl. Et du coup, sous cette forme-là, en fait, vous hostez votre API directement sur Kube. Vous devez mettre les droits sur le service account pour qu'il ait le droit de faire un kubectl apply sur le même cluster. Directement, vous pouvez lui dire bah, apply true et le namespace. Voilà. Donc ça, ça peut être pratique. Bon, c'est pas très viable, mais ça peut être pratique pour justement. Bah vous n'avez pas le temps de faire votre mchart ou votre manifeste. Vous voulez tester très rapidement un conteneur sur Kube. Vous avez déjà écrit le Docker Compose en local pour travailler en local. Bah, sans faire aucun travail supplémentaire, vous avez juste une API à invoquer. Bah, vous déployez vos conteneurs sur Kube quand même. Vous les shippez sur Kube. Et en fait, bah, si vous êtes sur M1. Si on peut aller un peu plus loin dans cette piste-là, en fait, on pourrait travailler complètement de manière distribuée, quoi. Voilà. Mais en fait, vous auriez plus besoin d'acheter un M1 trop cher, il vous faudrait juste une tablette, comme il fait Philippe. Ça suffirait. Voilà. Une tablette avec un terminal. Moi, même sur mon iPhone, je peux faire ce travail, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur Docker Desktop et les news sur cette actualité-là. Bah, j'espère que dans les années qui viennent, en fait, cette architecture M1 elle va se démocratiser un peu plus, qu'on ait un peu plus de choix et de concurrence. C'est un peu plus sain. Après, je pense que voilà, ce sont pas des mauvais bougres chez Docker. Et puis pour l'instant, ils ont toujours plutôt fait les choses bien. Et je trouve que c'est plutôt smart comme move là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment pu mettre la main sur un public où on sait que bah, du coup, je pense que ça sera viable comme modèle économique. Si c'est pas viable, c'est vraiment on va arrêter complètement de travailler avec Mac en tant que développeur en utilisant Docker, quoi. Voilà. À la prochaine pour une prochaine vidéo et puis je vous enverrai sur Twitter le lien YouTube correspondant à cette vidéo. Voilà. Je vais aussi vous mettre directement, ça j'ai oublié de le faire, c'est bah, du coup le lien vers Compose API aussi. Vous en aurez peut-être besoin. De toute façon, ça sera en description de la vidéo sur YouTube, mais je vais le remettre dans le chat parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver sur le live un peu plus tard. Voilà. Donc toujours pareil, c'est disponible sur notre GitLab. Ce qui est disponible sur notre GitLab est aussi mirroré sur GitHub. Voilà, si jamais notre GitLab tombe, il y a plusieurs endroits où c'est mirroré, dont GitHub et GitLab.com aussi. Voilà, bah, bonne soirée et à la prochaine.